Alors moi je suis coureur de trail au départ. Voilà, j'habite sur Écully, juste à l'ouest de la région lyonnaise. Donc je suis coureur sur route, sur trail. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Charlie, qui a un petit peu plus d'un an maintenant. Et voilà. Je me suis mis à courir en 2010, en août 2010, lorsque j'ai changé un peu de mode de vie, parce qu'à l'époque je fumais et je faisais plus de 20 kilos. Je me suis mis à courir juste par hygiène de vie au départ, en faisant des petits footings. Après je me suis pris au jeu, j'ai commencé à vouloir courir plus longtemps, plus vite. Je me suis mis à enchaîner des courses et petit à petit je me suis rendu compte que je suis monté en classement, en place. J'ai trouvé que la démarche était très bien pour la récupération. Après, j'ai voulu tester, c'est ça la deuxième raison. C'est que j'enchaîne beaucoup de kilomètres par semaine, parce que j'ai des entraînements qui sont de 150 à plus de 200 km par semaine. Ça dépend de mes charges d'entraînement et ça dépend de mes objectifs. Et c'est vrai que pour ne pas se blesser, et puis afin de pouvoir relancer après chaque entraînement, pour moi, je trouve que c'est la meilleure des récupérations, c'est sûr. Alors, la cryothérapie électrique, j'ai essayé une fois. Après, je n'ai pas vu de réel effet. C'est vrai qu'on a un bienfait en sortant de là, je pense que c'est plus par l'effet des endorphines. Après, c'est vrai que la cryothérapie à azote liquide, c'est totalement différent. J'ai pu enchaîner des entraînements, par exemple, sur des blocs un week-end où j'ai une séance de fractionné, donc avec de la variation d'allure assez intensive et sur du sol dur, donc ça casse énormément de fibres et c'est très difficile de pouvoir enchaîner derrière. Grâce à ça, c'est vrai que depuis, je ne me suis pas blessé, j'arrive bien à récupérer, j'arrive à enchaîner des courses. Après une bonne séance où je suis descendu à moins 150, moins 160 même, lorsque j'ai eu l'habitude de pouvoir passer ces caps-là en température. J'ai pu courir le lendemain plus de 50 km avec plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc là, j'ai pu voir vraiment la différence entre les deux cryothérapies. Sur des partenariats comme ça et sur des mentalités qui se ressemblent, je pense que ça peut durer que sur du long terme. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi CryoReflex. Performance, récupération et bien-être.